Alors, ce que je viens de faire de ce soir, c'est un premier pas pour encourager ces braves soldats de ne pas fléchir, de rester unis parce que nous sommes avec eux. On dit ensemble, on ne pourra jamais perdre. C'est ensemble. Je vous dis, mes chers frères, ensemble, seulement ensemble, si on reste soudés, rien ne pourra nous déstabiliser. J'interpelle la jeunesse burkinabé, surtout la jeunesse. C'est eux-là qui sont le maillon fort, qui pourront faire à ce que vraiment nous puissions réussir ce combat. Alors, montrez des vidéos positives du Burkina Faso. Sortez, arrangez les routes et filmez, vous montrez. Ça prouve aux Occidentaux que ce qu'ils disent chaque jour, ce n'est pas la réalité. Sur le terrain, quand vous montrez des vidéos positives, alors le monde entier y témoigne de ce que vous êtes réellement. Et vous êtes des hommes nobles, c'est des hommes intègres, il faut qu'on le voie. Donc n'hésitez pas à être des véhiculeurs de messages positifs, à montrer ce que vous faites de manière positive, à montrer aux Occidentaux que ce qu'ils disent, ce n'est pas ce que nous sommes. L'Afrique, c'est une famille. L'Afrique, c'est un et indivisible. Alors, dans une famille, il y a des hauts et des bas, mais ensemble, nous nous soudons pour pouvoir remonter la pente. Donc, ce n'est que dans la famille qu'on peut le faire. Personne ne pourra venir à l'extérieur pour nous dire comment gérer notre famille. Et j'invite tous mes frères de la diaspora et ceux qui sont aussi ici, si déjà nous de la diaspora, nous venons et faisons le pas. Alors, c'est vous qui devez être l'exemple. Ce n'est pas nous qui venons d'ailleurs. Donc, commencez et on va vous soutenir. On a besoin de voir ce que vous faites sur le terrain et vous allez nous pousser à venir. Je dirais, pour moi, le capitaine, son Excellence Ibrahim Traoré, c'est comme un messie. Déjà, je peux dire, de mes yeux, j'ai vu, si j'étais un peu plus âgée, je dirais que je peux aller en paix. Parce que ce qu'il fait, c'est la liberté réelle, parce qu'on n'était pas libre, c'est la liberté, il mène à la liberté réelle de l'Afrique, à la liberté réelle du Burkinabé. Alors, il faut le soutenir dans cet élan-là. Si on veut être vraiment libre et déchaîné de toute chaîne, sa politique et sa vision est la bonne. C'est cette vision-là qui m'a poussé à venir ici, pour dire je vais l'accompagner et le soutenir dans cette voie-là. Un sentiment de joie, d'encouragement et d'invite à tout le monde qui peut le faire et d'emboîter le même pas que notre compatriote vient de le faire ce soir. Quand les forces combattantes sont sur le terrain, bon, tout le monde ne peut pas aller sur le terrain. Si à travers les médias, ils sentent que leurs familles reçoivent souvent des dons de ceux qui ne peuvent pas aller sur le terrain, ça les galvanise effectivement à continuer le combat et à aller de l'avant. Effectivement, bon, nous sommes engagés aux côtés de la BVDP pour soutenir vraiment les VDP qui sont tombés au combat. Je pense que ce don est la bienvenue parce que depuis notre création, nous avons tenté de respecter quand même nos engagements que nous avons pris, à savoir d'accompagner trimestriellement les veuves. Voilà, donc nous avons fait le deuxième don le 18 passé, voilà, qui consiste vraiment en un sac de riz, un sac de maïs, un bidon d'huile par famille. Et les familles peuvent témoigner, c'est la deuxième fois qu'elles reçoivent ça. Et vraiment, bon, nous tendons la main vers les bonnes volontés pour nous accompagner. Et cette dame vraiment vient nous soulager parce qu'elle est venue d'abord à l'appel du capitaine Ibrahim Traoré pour visiter le pays de Thomas Sankara. Et quand elle est arrivée, elle est rentrée, elle a entendu parler de l'association qui milite auprès des VDP et des soldats, voilà, et qui vient en aide à leur famille. Voilà, quand ils tombent au front. Donc, elle a trouvé que la cause était noble et qu'il fallait vraiment qu'elle donne un coup de pouce. C'est un acte improvisé. Sinon, elle promet de faire plus que ça. Voilà, donc, pour le moment, elle dit qu'elle ne peut pas repartir les mains vides. Il faut qu'elle donne un coup de pouce à l'association. Et vraiment, nous la disons merci.